Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous vous proposons une rencontre avec l'un des grands biologistes contemporains, M. Henri Laborie. D'abord médecin et chirurgien, M. Laborie a choisi la recherche fondamentale et c'est ainsi qu'il a introduit dans la thérapeutique le premier tranquillisant en 1952 et aussi l'hibernation artificielle. Spécialiste des comportements, M. Laborie étudie l'organisation des systèmes vivants, du plus simple au plus complexe. Dans son livre récent « La nouvelle grille », M. Laborie propose une analyse nouvelle du phénomène humain, ou tout au moins une analyse originale de ce phénomène, dans son évolution physique, sociale et également dans son évolution politique. Dans son dernier livre, « Éloge de la fuite », M. Laborie présente, à la lumière des découvertes biologiques les plus actuelles, il nous présente les questions des questions qui sont presque éternelles, qui existent peut-être depuis que l'homme pense, comme celle du libre arbitre, par exemple, de la question sociale, de l'environnement social de l'homme, de la foi, de la créativité aussi, de la mort. Alors, M. Laborie, si vous le permettez, on va commencer par quelque chose de peut-être de moins philosophique, de plus strictement pratique. Je pense aux tranquillisants que vous avez introduits dans la thérapeutique et à l'hibernation artificielle. Comment ça vous est venu, ça, cette idée d'introduire le tranquillisant dans la thérapeutique? Alors, j'ai pas eu l'idée d'introduire les tranquillisants, à vrai dire. En tant que chirurgien, j'essayais de protéger mes malades, mes opérés de mon agressivité, si j'ose dire, des lésions que je pouvais provoquer chez eux en entrant dans leur chair. Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier que le chirurgien blesse d'abord. Bien sûr, c'est d'abord un agresseur. Oui. Et il provoque des réactions dans cet organisme que j'ai essayé de bloquer, alors que jusque-là, on avait au contraire tenté de les protéger, de les magnifier. Ça avait l'air assez contraire et ça paraissait un peu philosophique. Et en réalité, ça m'a amené à des techniques d'anesthésie qui ont fait le tour du monde, qu'on appelle maintenant, avec un terme un peu nouveau, neuroleptanalgésie, qui permettent de ne pas utiliser, si vous voulez, des anesthésiques puissants, mais d'utiliser des mélanges de drogues qui agissent à différents niveaux du système nerveux, provoquent l'absence de douleur, l'analgésie, l'absence de conscience, etc., de disséquer l'anesthésie. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte que puisque, au fond, les réactions de l'organisme, les réactions biologiques qu'on commençait à connaître à l'époque de l'organisme aux agressions chirurgicales ou traumatiques, on les retrouvait aussi dans l'agression psychosociale, bien qu'à ce moment-là, je ne comprenais pas le passage de l'agression physique à l'agression psychosociale. Mais on voyait le résultat qui était le même. Je me suis dit que ça pouvait être aussi utilisé peut-être en psychiatrie, la psychiatrie étant le malade mental pouvant être peut-être considéré comme un malade ayant réagi de façon désordonnée à son environnement social. Et j'ai proposé l'utilisation de ces drogues d'abord en anesthésie chirurgicale, en réanimation chirurgicale, puis en médecine générale et en psychiatrie. Et alors ce sont les psychiatres qui s'en sont emparés à partir de ce moment-là et qui en ont fait, qui ont transformé finalement la psychiatrie, la thérapeutique psychiatrique, à partir de cette époque. Et en plus, c'est le premier, mais ensuite ça a donné naissance à toute une recherche scientifique dans tous les pays du monde, extrêmement foisonnante, qui aboutit à la découverte de multiples molécules à action dite psychotrope, qui n'est plus simplement tranquillisante, mais antidépressive. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on appelle l'abus des tranquillisants actuellement, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir été un peu un apprenti sorcier? C'est une réflexion que beaucoup d'Américains m'ont fait il y a quelques années encore. Vous avez une responsabilité terrible. 95% dans notre pays de gens vivent avec des psychotropes. C'est devenu aussi normal que le tabac, par exemple. C'est ça. Et alors, à cette époque-là, j'avais l'habitude de répondre, bon, non, moi, je ne me sens pas très responsable, dans le sens que, d'abord, je cherchais à protéger mes malades chirurgicaux, et d'autre part, je pense que si vous n'aviez pas eu ces drogues à une certaine période d'évolution de l'espèce humaine, des sociétés humaines, vous n'auriez pas eu suffisamment d'hôpitaux psychiatriques pour vos malades mentaux, de cimetières pour vos suicidaires, et de prison pour vos délinquants. Et puis je me suis demandé par la suite, à mesure que mes connaissances en biologie comportementale augmentaient, si peut-être, s'il n'y avait pas eu ces drogues psychotropes, s'il n'y aurait pas eu quelque chose, s'il n'y aurait pas eu une évolution explosive, et s'il n'y aurait peut-être pas, je dis révolution pour me faire comprendre, je ne peux pas parler de révolution sanglante, mais si le ras-le-bol, ce qu'on appelle l'insupportabilité de la civilisation moderne n'aurait pas été
n'aurait pas éclaté plus tôt. Parce que finalement, ce qu'ont permis ces drogues psychotropes, c'est de diminuer les pulsions, la recherche du plaisir, et de récupérer pour la société un individu qui n'a plus de joie à vivre. D'ailleurs, ce que j'ai décrit, permettre de continuer à vivre dans le même milieu. Voilà. Et de rester un bon producteur, parce que c'est une production, elle a besoin de gens qui produisent, qui j'ai travaillent. J'ai l'impression que dans ce sens-là, vous regrettez peut-être un peu d'avoir... Oui, je ne regrette rien en ce sens, comme dit la chanson de Piaf, je ne regrette rien parce que je ne suis qu'un petit morceau de chair à travers. Si j'ai eu un rôle, il était entièrement déterminé, prévu d'avance. Enfin, ça, je ne pouvais pas m'en détacher. Oui, parce que vous croyez au déterminisme, mais on va y venir bientôt. Vous êtes biologiste. Vous livrez à la recherche fondamentale depuis longtemps. Comment ça vous est venu, ça? Vous étiez médecin et vous étiez chirurgien de la marine, en plus, je crois. Oui. Et puis tout à coup, vous êtes devenu un chercheur scientifique. Comment ça s'est passé? Mais parce que j'ai toujours eu une... Je crois que tout homme a la même chose, seulement il se laisse entraîner souvent par les automatismes de pensée qui n'aiment pas ce que je vais dire. J'ai toujours eu l'angoisse existentielle. Je me suis toujours posé, depuis, peut-être parce que mon père est mort très jeune et que j'étais frustré de l'existence d'un exemple vivant, et que je me suis fait une conception mythique de mon père à laquelle que j'ai poursuivi toute ma vie. J'avais 5 ans quand il est mort. Et j'ai eu cette angoisse de la mort très tôt et de la signification de l'existence. Et alors, en plus, quand vous choisissez un métier comme la chirurgie, ou alors vous êtes l'artisan adroit qui opère des malades quand ils meurent, mon Dieu, c'est que l'opération est très bien réussie, mais c'est qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire. Ou alors vous vous demandez, quand vous voyez mourir quelqu'un, vous vous demandez qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce que c'est que la maladie, qu'est-ce que c'est que la pathologie. Alors, dès que vous posez ces questions-là, qui sont des questions fondamentales, mais qui sont, je le répète, occultées, parce que si vous pensez à ça, vous devenez évidemment un moins bon artisan. On vous demande de faire des roulements à billes et de ne pas penser à ce que vous êtes et à ce que votre devenir, votre signification dans le cosmos. Mais quand vous conservez perpétuellement cette petite aiguille au fond du cœur, vous cherchez à comprendre. Et alors, comprendre, c'est prendre ce qui est dans votre domaine immédiat et de suivre la filière de suivre le fil d'Ariane qui vous amène, qui m'a amené, si vous voulez, de la chirurgie à la biologie, à la physique biologique, à la biologie, à la pharmacologie, à la neurophysiologie, à la biologie générale, au comportement, à la sociologie, à la psychologie, à l'économie, à la politique. Et j'ai peut-être terminé mon parcours. On dira évidemment que je suis très superficiel, que je suis un touche-à-tout. C'est-à-dire, on n'a pas... Je ne sais pas si on a dit que vous étiez superficiel, ça me surprendrait, mais on vous a reproché justement de vouloir réduire les sciences humaines, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines, de vouloir les réduire à la biologie. Bien sûr, moi je n'ai jamais reproché à personne, je n'ai jamais reproché aux psychologues de réduire les sciences humaines à la psychologie, aux économistes de réduire les sciences humaines à vous l'économie. Vous aimeriez qu'ils fassent de même à votre égard. Et je n'ai jamais essayé de réduire. Je suis un anti-réductionniste et j'ai toujours essayé de faire des synthèses, c'est-à-dire que j'ai essayé d'acquérir le langage, qui est un langage qui sépare les disciplines, le langage de différentes disciplines pour essayer de comprendre ce que les autres avaient déjà découvert, pour voir comment ils pouvaient s'associer dans un ensemble interdisciplinaire. Alors je pense qu'au contraire, je pense qu'il est impossible de se limiter au langage conscient. Bien sûr, Freud nous a appris que nos comportements étaient basés sur 95% d'inconscient. Mais l'inconscient étant par définition inconscient, on ne pouvait pas le croire. Or, depuis quelques années, on commence à comprendre comment fonctionne le cerveau humain. Et on s'aperçoit qu'il a une structure, mais que cette structure est perpétuellement en rapport avec son environnement, sa niche environnementale. Et que ce sont ces rapports entre la niche et le cerveau humain, avec l'engrammation de la mémoire, c'est-à-dire la fixation des expériences par la mémoire, qui n'est pas un mot, la mémoire. Ce sont des molécules qui prennent naissance avec le contact avec l'environnement, qui prennent naissance dans notre système nerveux, et qui font, et qui restent là, qui restent présentes là, et qui vont ensuite rendre ce système nerveux jamais le même. Il va être continuellement transformé par le contact avec l'environnement. Ça veut dire que la pensée aussi, j'imagine, à vos yeux, est directement dépendante du système nerveux et provient... Je n'ai jamais vu d'homme pensant à qui on avait enlevé le cerveau. Je ne dis pas que la pensée se réduit, mais si vous voulez, j'ai pris un exemple. Je pense qu'il est assez parlant. Il y a quelques années, j'ai vécu cette période. Quand un médecin voyait un malade qui avait un mal à la tête, il avait une raideur de la nuque, il vomissait, il avait un pouls ralenti, une température élevée, il était comateux. Il disait syndrome méningé, méningite.
Remarquez qu'il a fallu des siècles pour que on se rende compte que l'ensemble de ces symptômes que je viens d'énumérer, il y en a d'autres, enfin, avaient comme origine une inflammation de la méninge, une infection des méninges, c'est-à-dire de ces enveloppes qui entourent le cerveau. Bien. Qu'est-ce qu'il disait il y a 35 ans, il y a 40 ans? Il disait, mettez de la glace sur la tête, de l'aspirine pour diminuer la température, et puis 95% des méningites cérébrospinales ou des méningites tuberculeuses en particulier mouraient. Quand est-ce qu'on a fait un progrès? C'est pas en niant les signes que je viens de décrire, c'est en faisant une ponction lombaire, en examinant, en prenant du liquide céphalorachidien, en regardant ce qu'il y avait dedans, en regardant quel était le microbe en cause, en faisant l'étude de ce microbe, ce développement de ce microbe, en découvrant les antibiotiques, en regardant quels étaient les antibiotiques auxquels il était sensible et en injectant cet antibiotique au malade. Ce qui veut dire qu'au lieu de rester sur le plan de la psychologie ou de la symptomatologie du symptôme du malade, on est passé à des niveaux d'organisation de plus en plus fondamentaux. Ils n'ont pas nié le précédent. Il ne s'agit pas de nier tout l'apport des psychologues. Ils s'en sont servis, mais ils ont été plus loin. Et ce que je demande simplement, c'est que les psychologues ne restent pas simplement dans le discours logique et quand ils font une étude, ou les sociologues, quand ils font une étude sociologique, ils ne se limitent pas au discours des gens qu'ils interviewent, parce que ces discours ne font que représenter l'inconscient. C'est-à-dire toute étude, toute l'histoire du système nerveux de l'individu auquel il s'adresse. Pour vous, l'inconscient, évidemment, a ses assises dans le système nerveux. Ah bah bien sûr. Toute manifestation de vie animale. Ou bien sûr, surtout que maintenant, on commence à voir comment ça comprend. Vous parlez de la langue et vous n'êtes pas traitant dans votre dernier livre, L'éloge de la fuite. Je crois que c'est dans celui-là ou dans la nouvelle grille, peut-être dans les deux, au sujet de la langue. Vous dites que souvent on s'en sert pour dominer, les dominants s'en servent sur les dominés pour continuer à les dominer. Vous donnez des exemples comme amour et liberté, par exemple. Oui. Ce sont deux mots que vous n'aimez pas du tout. Et puis il y en a bien d'autres que je n'aime pas. Je n'aime pas les mots. Mais parlons de ces deux-là. J'aime pas les mots, je suis bavard. Parlons de ces deux-là. Prenez le premier, la fuite. Oui, la fuite, oui. La majorité des gens considèrent que la fuite est quelque chose de répréhensible. Hein, oui, quand la lâcheté. Quand vous dites c'est ça l'éloge de la fuite, on dit mais ce qui fait l'éloge de la lâcheté justement. Voilà. C'est parce qu'il y a dans ce mot tout un contexte affectif qui vient de la socioculture. Je commence par dire par exemple que c'est la seule attitude pour un voilier devant le danger d'une mer démontée. Oui. À ce moment-là, c'est le seul moyen et c'est pas lâche de fuir devant la tempête. C'est s'adapter à certaines lois. Exactement. Alors, les mots, chaque homme a une expérience des mots, et c'est ce qui rend les mots dangereux. Pour vous, la fuite, par exemple, pour continuer avec ce même mot, c'est la créativité qui est dans l'homme. Bien sûr, parce que quand on ne peut plus agir, il faut bien imaginer les moyens de s'en sortir. Et c'est en imaginant que l'on devient de plus en plus homme. Et bien sûr, la seule particularité du cerveau humain, c'est de pouvoir créer de l'imaginaire, c'est-à-dire créer de l'information, ce qu'aucune espèce animale ne peut faire. Il a un cerveau qui est fait de telle façon qu'il a des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes associatifs, qui permettent, à partir de l'expérience mémorisée, de la mémoire, de mélanger ces expériences de telle façon qu'il en naît ce qu'on peut appeler de nouvelles structures. Quelque chose de neuf, des idées neuves. Voilà, la solution nouvelle à un problème ancien. Alors, évidemment, c'est une fuite devant la barrière infranchissable de tout ce qu'est la vie sociale et la vie... Et c'est la découverte d'un nouveau monde. C'est en ça qu'il y a une fuite. Mais cette découverte, malheureusement, bien souvent, elle est facilitée par la drogue, par exemple. Les drogues illicites. Oui. Elle est facilitée par la psychose. C'est une fuite, la psychose. Ou par la créativité. L'amour vu par vous, biologiste, ça peut être assez déprimant pour certaines personnes. Je crois pas. Comment voyez-vous l'amour? Mon chapitre sur l'amour se termine par quelque chose, je ne l'ai pas par cœur, enfin, l'idée est la suivante, c'est qu'il commence l'amour au moment où le nouveau-né qui était bien au chaud dans au sein de sa poche des eaux maternelle et qui n'avait rien à désirer qu'à vivre et à se développer, sort brusquement et reçoit sur la nuque le vent froid du monde. Et qu'à ce moment-là, il est forcé de respirer seul, tout seul, et pour lui seul, jusqu'à la mort.
Et l'amour, en fait, ça se termine, ce passage. Et je dis d'ailleurs, heureux celui que le bouche à bouche peut assister. Et sa vie se termine par « Narcisse, tu connais ». Ça veut dire que nous sommes fondamentalement narcissiques. Ce que nous cherchons chez l'autre, c'est nous. Que nous ne pouvons pas sortir de notre peau. Nous sommes enfermés à l'intérieur de notre peau. Et nous sommes tellement seuls dans notre peau que ce qu'on appelle l'amour, c'est la recherche de nous-mêmes chez l'autre. Narcisse, se regardant dans l'eau, c'était lui qu'il aimait. C'est lui qu'il cherchait. Et finalement, il tombe parce qu'il va à la recherche de l'autre et il se noie. C'est l'autre que l'on amène dans notre propre niche écologique. Et bien sûr. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que l'amour? Il faut être quand même lucide. On a fait tuer des hommes pendant des générations sur ce mot. Les choses simples et contre lesquelles on ne peut pas sortir de ce cadre. Un système nerveux, ça sert à agir. Ça ne sert pas à penser, un système nerveux. Nous sommes tellement obnubilés par notre conscience réfléchie qu'on ne voit pas. La fonction primordiale du système nerveux, c'est d'agir. Les plantes n'ont pas de système nerveux. Elles sont entièrement liées au sol dans lequel elles trouvent leur nourriture, à l'air qui les entoure. Elles ne peuvent pas se déplacer. Dès que vous avez un système nerveux, dès que vous rentrez dans le règne animal, l'individu qui en est doté peut se déplacer dans le milieu, c'est-à-dire, d'abord, maintenir sa structure, il cherche son alimentation. Ce que vous appelez chercher à se faire plaisir. Très exactement. Encore un mot dangereux. Un mot que des générations ont marqué du sceau de Satan. Se faire plaisir. Mais se faire plaisir, personne ne réagit quand on dit, avec Claude Bernard, que tout organisme tente à maintenir les constances des conditions de vie dans son milieu intérieur. Ou quand on dit, comme Cannon, un mot plus ésotérique, parler d'homéostasie, c'est-à-dire de maintien de l'équilibre biologique. C'est ça le plaisir. Quand on n'est pas en équilibre biologique, on n'a pas de plaisir, on est mal dans sa peau. On est stressé, comme dit le docteur Cellier. C'est autre chose. J'aime bien Cellier, je dois le rencontrer d'ailleurs, c'est un vieil ami. Oui, si vous voulez, on est stressé. Bon, admettons, parce que tout le monde connaît le terme maintenant. Oui. Donc un système nerveux sert à agir et il agit. On agit pourquoi? On agit pour se maintenir en survie, pour maintenir l'équilibre et le plaisir, donc lié à cet équilibre biologique. Quand on ne peut pas maintenir, quand le milieu ne nous permet pas cette action qu'on dit gratifiante, elle gratifie la récompense, qui est supportée par des faisceaux que nous connaissons bien maintenant, qu'on peut appeler les faisceaux de la récompense, si vous voulez. Ces faisceaux dans lesquels, chez le rat, on met une électrode. On pourrait faire la même chose chez l'homme. Et on le rejoint à un circuit électrique avec une manette qui peut fermer le circuit. Mais le rat restera pendant 24 heures sans bouger, en appuyant constamment sur... Parce que l'électrode lui fait plaisir. Il ne nous le dit pas, bien sûr. Mais si ça lui faisait mal, il s'en irait. Il appuie parce que ça lui fait plaisir. Bien. Si on ne peut pas se faire plaisir, qu'est-ce qu'on fait? On fuit d'abord. Tous les animaux fuient. Quand ils ne peuvent pas fuir, ils luttent. Pour détruire ce qui, dans l'environnement, est dangereux pour leur survie. D'accord. S'ils ne peuvent ni fuir ni lutter, c'est là que commencent tous les ennuis. Ils sont malades. Ils s'inhibent. Et ça, c'est tout un système intérieur du cerveau que nous avons beaucoup étudié personnellement dans mon laboratoire depuis 2 ans, que j'appelle le système inhibiteur de l'action. L'animal s'inhibe, il ne bouge plus. Et c'est à l'origine, justement, de tout ce que Cellier nous a appris, mais dont on voyait mal l'origine, c'est l'origine de tout le syndrome d'alarme, de toutes les maladies psychosomatiques, les ulcères, les somas, les hypertensions. Voulez-vous que je vous donne un exemple simple, animal? Vous me direz, je ne suis pas un rat. Mais dans ça, nous sommes tous des rats. Et ça fait très bien comprendre le système. Vous avez une boîte à conditionnement. Il y a un grillage électrifié, et la chambre est séparée en deux, par une cloison. Dans cette cloison, il y a une porte. Puis il y a un signal lumineux au-dessus des compartiments. Vous faites retentir ces signaux lumineux et sonores 4 secondes avant de déclencher une décharge électrique dans le plancher. Vous mettez un rat là-dedans. La porte est restée ouverte. Au début, il est affolé. Si vous dosez ces catécholamines, si vous recherchez son équilibre biologique, il est très perturbé. Puis très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte, il passe dans la pièce à côté. Il s'est fait plaisir, il a fui. Il a donc eu un acte gratifiant. Vous recommencez, vous faites ça pendant 7 minutes par jour. 7 minutes, c'est pas beaucoup. Pendant 7 jours consécutifs. Au bout de 7 jours, vous avez pris la pression artérielle de votre rat au départ. Elle est la même, elle n'a pas changé au bout de 7 jours. Maintenant, vous fermez la porte. Le rat, au début, il essaie de fuir, il ne peut pas. Il devient méchant. Parce qu'on n'est jamais méchant spontanément. On est méchant et agressif que quand on ne peut pas faire autrement. Et quand on a appris que ça peut vous faire tirer d'affaire,
que l'agressivité est payante. Alors il mord ses barreaux, puis très rapidement il s'aperçoit qu'il n'y a rien à faire, ni fuir, ni lutter. Alors il s'inhibe. Vous prenez la pression artérielle de cet animal au départ, 7 minutes par jour pendant 7 jours consécutifs. Vous la prenez à l'arrivée, il est hypertendu à 20 maxima, et vous stoppez l'expérimentation. La pression artérielle, un mois après, est encore à 19 ou 20 maxima. Vous l'avez vraiment détruit. Il est hypertendu chronique. Or, l'hypertension chronique, c'est une maladie définitive. Et en plus, il est ulcéreux, si vous l'ouvrez son estomac. Donc, nous sommes des rats. Vous permettez, j'ajoute une petite chose, parce que vraiment, c'est peut-être la chose la plus amusante. Au lieu de mettre un rat, vous en mettez deux. Ils ne peuvent pas fuir. Ils font ce que les Américains appellent le boxing rat. Ils se mettent en position de combat et ils se bagarrent. Mais ils ne font pas d'hypertension. Ils ont fait leur manifestation. Ils sont descendus dans la rue, ils ont promené leur banderole. Ils ont agi, ils ont fait quelque chose inadapté, qui ne sert à rien. Mais ils ont agi et ils ne font pas d'hypertension. Le temps passe malheureusement très vite. Suite à ce que vous venez de nous dire, on se pose des questions sur la notion de liberté également, un autre mot que vous n'aimez pas, parce que vous ne croyez pas que la chose existe. Et je crois que vous venez de nous donner un exemple qui pourrait nous laisser entendre que nous ne sommes pas libres. Mais vous ne croyez pas du tout que nous sommes libres. Je pense que... Je crois que vous avez déjà dit, la première chose qu'il faut enseigner aux hommes, c'est qu'ils ne sont pas libres. Mais oui, parce que d'abord, premier temps, si vous voulez, prenons les conséquences, même si c'était faux, c'est vrai que nous ne sommes pas libres, mais même si c'était faux, c'est la seule façon d'être tolérant. Parce que la tolérance ne peut s'obtenir, non pas par l'amour, la transcendance, des mots qui nous ont toujours depuis que l'homme est homme, conduit aux guerres, aux génocides, aux meurtres, etc. En fait, quand vous savez que l'autre n'est pas libre, et que vous-même, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas accuser l'autre de son choix, comme vous détenez toujours la vérité. Si vous croyez l'autre dans l'erreur, puisque c'est vous qui détenez la vérité, sans ça, si vous ne déteniez pas la vérité, vous changeriez d'opinion. Donc l'autre, qui n'a pas la même opinion que vous, est forcément dans l'erreur. Et il est libre de son choix d'erreur. Donc à ce moment-là, il faut le détruire, puisqu'il est libre de choisir, et il ne choisit pas votre vérité, qui est la seule, la vraie. Mais cette remarque, à mes yeux, là, semble être une remarque de philosophe. Non. Non ? Non. Ça revient à l'amour. C'est-à-dire que votre système nerveux qui agit dans un environnement, dans cet environnement, il n'est pas vide, il y a des objets et des êtres. Et quand il se gratifie avec un objet, avec un être, il va tenter de reproduire sa gratification, bien sûr. Et il le fait, il faut qu'il le fasse. Et bien sûr, puisqu'il mémorise. Oui. Son cerveau n'est plus libre. Il a dans son cerveau des molécules qui codent ses voies nerveuses et qui lui ont appris que telle chose, tel mouvement, telle action lui est favorable, lui est agréable. Et à ce moment-là, vous naissez sur... Vous débouchez sur la notion de propriété qui est simplement la notion qu'un système nerveux, quand il s'est gratifié, il s'est fait plaisir avec des objets, des êtres, ma femme, mon frigidaire, ma voiture, ma chaîne de télévision, il essaie de les garder pour lui, pour renouveler ce qu'on appelle le réenforcement. De toute façon, je signale dans votre livre, L'éloge de la fuite, le chapitre sur la liberté, je crois qu'il va intéresser beaucoup de téléspectateurs. Avant de vous quitter, il faut que je vous pose la question sur celui que vous appelez votre ami. Vous avez un chapitre sur la foi, et vous parlez de Jésus, et vous l'appelez votre ami, et vous n'êtes pas tendre du tout. Vis-à-vis de l'Église, et aussi on se pose la question dans ce chapitre sur la foi, est-ce que vous croyez en Dieu ou pas? Je sais que c'est très vaste, là, pour trois minutes. Oui, oui, c'est trop vaste, parce que je crois que c'est deux domaines qu'il ne faut pas mélanger. Il y a le domaine de la science, qui est celui du... J'ai l'habitude de prendre comme exemple le message qu'on envoie de Paris à Lyon, et qui est une phrase avec des lettres qui ont un certain rapport entre elles, sans ça... message ne signifie rien. Et la science se décide, enfin son projet est de voir quelles sont les relations entre les choses, entre les éléments du monde qui nous entoure et du monde qui est en nous. Malheureusement, il y a très peu de temps qu'on a commencé à s'occuper du monde qui est en nous. Jusqu'ici, on a parlé avec, mais on n'a jamais démonté la mécanique. Ça, c'est le signifiant, c'est le domaine de la science. Maintenant, savoir si c'est ce que nous voyons, ce que nous observons de ce monde qui nous entoure, ce monde des êtres vivants, et ce monde des choses, s'il a été codé par une conscience, pour une autre conscience qui doit le décoder, ce n'est pas du domaine de la science. On croit ou on ne croit pas, mais on n'a pas d'éléments pour nier ou pour affirmer. En somme, sur le plan scientifique, vous dites que vous ne pouvez pas plus nier l'existence de Dieu que vous ne pouvez prouver l'existence de Dieu. Bien sûr. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait être très près de quelque chose qu'on puisse dire, de logique, mais il faut se méfier de la logique. C'est assez amusant d'entendre ça dans votre bouche.
Oui. Parce que vous employez beaucoup la logique dans vos recherches scientifiques. Oui, bien sûr, on ne peut pas se passer de la logique. Mais il faut savoir qu'elle a des limites. Elle c'est une limites. Logique qui est toujours humaine. Oui. Donc, ce n'est ni celle du hérisson, ni celle de ma cellule hépatique qui a une logique. C'est la logique de la conscience humaine. Or, il faudrait être très prétentieux pour croire que la conscience humaine est la seule, la dernière, la plus évoluée. Il y a peut-être même des planètes où il y a des êtres qui ont une conscience beaucoup plus évoluée que la nôtre, qui ne sont pas dieux pour autant. Mais on peut imaginer, pourquoi pas, qu'il y ait une conscience cosmique, qu'il existe une conscience cosmique, et pour laquelle, évidemment, ni le temps ni l'espace n'existent, puisque le temps est intimement lié à l'espace, et qu'à l'intérieur de cette conscience cosmique, il n'y a pas à se déplacer, puisqu'il est à la fois le temps et l'espace. Mais la personne même de Jésus, pour vous, est quelque chose d'assez fascinant. Très fascinant, oui. En sens que, si vous voulez, je commence par dire que si j'étais né 200 ans avant sa naissance à lui, en Chine, je n'aurais jamais connu. Donc il y a déjà un déterminisme à la connaissance que j'en ai. Et en plus, on me l'a fait connaître sous une certaine forme, liée à une socioculture d'une époque de l'évolution de l'humanité. Ce n'est pas n'importe quelle religion. La preuve, c'est qu'il y en a, même autour du nom du Christ, il y a une quantité de religions qui se sont créées. Mais je dis que c'est un ami parce que rien dans les évangiles qui ont manifestement été écrits et rapportés par des apôtres, des braves gens qui n'y ont rien compris. Et je me demande si ce n'est pas maintenant seulement que le décodage devient possible. Parce que on transmet ces paroles du Christ qui sont révoltantes. Rien de plus asocial. Enfin, les ouvriers de la dernière heure, la lâcheté du monsieur qui suit le mont des Oliviers et dit « Mon père, si vous pouviez m'éviter de boire jusqu'à la lie cette coupe, ce crognogneux, il n'est pas viril ce gars-là. Bon, » Il n'est pas libre aussi. Mais en plus, ce type, bah, il n'est pas libre. Mais quand il dit sur la croix « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », avant Freud, il avait dit que ces gens étaient strictement inconscients et que l'homme vit consciemment. C'était parler de l'inconscience, ça. Bon. Quand il voit le jeune homme riche qui lui dit « Qu'est-ce que je peux faire encore ?» Ben, lâche tout et suis-moi. Puis il ne peut pas. Et il l'aima. Le Christ, en s'éloignant, aima ce jeune homme riche. Parce qu'il était le seul à savoir qu'il était entièrement conditionné, qu'il n'était pas libre, qu'il ne pouvait pas le suivre. Docteur Laborie, c'est maintenant que je dois vous remercier beaucoup pour cet entretien. Et je signale aux téléspectateurs que vos deux derniers livres, La Nouvelle Grille et L'Éloge de la Fuite, sont des livres dans lesquels vous allez retrouver plus en profondeur certains des sujets dont il a été question ici aujourd'hui. Bonsoir.